Depuis 1983, le club 41, la table ronde française d'Hesbrook, organise ce salon des antiquaires et des métiers d'art. L'objectif est de rentrer un certain nombre de résultats que l'on repartage auprès d'associations caritatives locales. Un antiquaire, c'est pas seulement un acheteur, un revendeur, il a un travail de préparation de son mobilier, de ses objets d'art, ses objets de collection. Nous ne voulons absolument pas de pièces importées de Chine. Moi, je suis déjà venu ce matin vérifier avant l'ouverture du salon le niveau de qualité, d'authenticité des pièces qui sont exposées. Donc tout a été vérifié, trié, ce qui n'était pas digne d'être ici a été enlevé de la vente. Mon rôle est d'authentifier, de renseigner et de tenir le niveau de qualité du salon. La première année, c'était 79, il me semble. Le salon, nous le faisons depuis 8, 9, peut-être 10 ans. Nous faisons le métier depuis une quarantaine d'années. Nous n'avons plus de magasins, plus de boutiques. Nous ne faisons plus que des salons, surtout en Flandre, dans le nord de la France. C'est un salon où on s'installe en fait pour 3 jours. C'est un plaisir. Comme ça fait pas mal de temps que nous faisons le métier, la clientèle, nous la connaissons bien. On envoie beaucoup d'invitations et on attend nos clients, les anciens, les nouveaux. On aime beaucoup ce salon. Depuis 2012, nous avons ouvert ce salon au métier des artisans d'art. Nous pouvons désormais trouver de la dentelle, du prêt-à-porter, une dame qui fait des vitraux. C'est une activité qui nous convient par rapport aux antiquaires, puisque c'est très complémentaire, des objets de valeur, des objets de qualité. De la même manière que pour les antiquaires, nous cherchons absolument à ce que les objets soient authentiques. D'ailleurs, certains artisans travaillent devant vous. Le club 41 et Table Ronde sont heureux de vous retrouver, ça l'espace Flandre à Hesbrook, toujours pour le troisième week-end de janvier.